j'ai été chez le coiffeur. Je viens de me rendre compte que j'ai été chez le coiffeur. Et alors, le Père Noël, il a le droit d'aller chez le coiffeur. Mais mes cheveux, ils repoussent tellement vite que demain, ça va être autre chose. Ok? Donc, nous sommes le 4. Ok. Et, ah! Oh! Ben oui, c'est pour ça que j'ai été chez le coiffeur. Je me suis fait beau. Parce que, ce soir, il y a un numéro. Voilà, le 4, il est là. Alors, ça, c'est pas le... C'est la Mère Noël qui vous l'offre. Vous allez voir. Vous serez dressé par un pompon. Hop là. Donc, ce petit cadeau, c'est notre ami. Je dis bien notre ami parce que tout le monde la connaît. Et sa boutique, il faut aller la voir. C'est notre ami Picus Run Modélisme qui vous offre ça. Donc, j'ai acheté quelques articles chez Picus Run, comme l'année dernière, hein, pour vous offrir. Et Tata Picus Run, tout le temps, elle vous offre un petit truc sans rien lui demander. Hein. Tu t'achètes des trucs, et puis moi je lui dis, ben voilà, j'achète ça, c'est pour offrir. Ah, moi aussi je veux participer, et elle vous fait un cadeau. Elle est adorable, elle est adorable. Elle est tout le temps dans les coms, elle est tout le temps là. Toujours un petit coucou, un petit bisou, un petit... voilà. Et en plus, elle a une petite boutique qu'elle essaye de faire vivre. Elle a eu plein de problèmes, on va pas en reparler parce que c'est... On est en période de Noël, c'est une période où tout le monde doit justement relativiser. Et puis voilà, on est tous heureux. Et juste, vous allez la voir, vous lui marquez une petite com ou juste un petit merci Fran. C'est une personne adorable. C'est une personne adorable. Et elle a plein de petits cadeaux comme ça pour les... Exactement ça pour les petits et les grands aussi parce que... Bon, je vais vous avouer, je l'ai testé dans l'évier. C'est marrant comme tout. Donc, c'est pour les petits et pour les grands. Hein. Donc, voilà. Moi, je pense qu'il s'en doutait. Hein. J'ai été faire un petit peu le couillon. Mais voilà, ça, c'est des petits trucs. Allez, t'achètes ça. T'achètes ça l'hiver, t'offres un gosse. Et puis, au printemps, quand tu fais la piscine, tu mets ça dedans. Dans la baignoire. Tu prends le bain, t'as un gosse, tu lui dis ouais vas-y, prends ton bain, j'ai pas envie, viens, va jouer au bateau, ouais je veux. Tu vois, ce genre de petits trucs. Et c'est génial, et ça vaut que dalle, hein. c'est pas des gros budgets, ça faut pas. C'est vraiment des cadeaux, tout le monde a un petit peu les moyens de faire plaisir à un enfant. Quoi. Et il est complet. Mais de complet chez complet, hein, du RTR. Déjà, toute la boîte, alors bon, voilà. Un petit speedboat, parce que bon, je pars. Voilà à quoi ça ressemble. Ok. Donc, je ne l'ai pas fait dans l'ordre. Nous sommes le 4. Le 4. T'es où, ma Fran? Où est-ce que tu te caches? Allez, voilà. Tu es là, ma Fran. Le 4. Donc, pour jouer et essayer de gagner ce petit bateau, il va falloir me marquer hashtag SpeedFran. C'est pas un M à la fin, c'est un N. SpeedFran. Ok? Hashtag SpeedFran. Ok? C'est le speedboat avec Fran. Et la couleur est magnifique. Donc, ce que je disais, le chargeur, le petit batal, regarde-moi ça, il est magnifique. Il pète, vraiment il pète. Hein. Et vous pouvez voir l'essai de ce petit bateau sur sa boutique. De toute façon, je vais vous mettre le lien. Hein. Il est magnifique. Il a un rouge candy, mais alors, d'une beauté. Alors, si je me souviens bien, voilà, c'est ça. Là, t'as un petit hop là, viens là toi. Là t'as un petit téton là que tu soulèves et ici en fait c'est pour charger.
tu charges ton bateau avec le chargeur qui est fourni. Ok. Ça va pouvoir être pratique avec les gants. Et donc derrière, tu as deux hélices et tu as plusieurs notes de conduite. Ah, j'aurais dû les noter. Ah bah, il s'est marqué, il y a une doc avec. Parce que la radio, c'est pas juste une petite radio. Hein. Toc. Donc ici, tu as les piles. Ça, c'est les piles qui ont été fournies par Mavbes. Toi, là, il voit rien, là, parce qu'en fait, il n'est pas allumé, le bâtard. En fait, faut que tu le mettes dans l'eau. Et après, tu as tout un tas de boutons avec des fonctions différentes où tu peux aller, en fait, vite, tu peux aller lentement, tu peux aller... Alors, si je me souviens bien, tu as une vitesse, ouais, tu as une vitesse rapide, une vitesse lente, tu as une vitesse où tu as les hélices qui tournent l'une à l'envers de l'autre, en fait, pour faire un demi-tour complet sur place. Tu as... Ou alors, tu as les deux hélices qui tournent à l'envers pour reculer et avancer. Et tu as un autre mode, je ne me rappelle plus l'autre. Bah écoute, tu vas découvrir. Moi, j'ai découvert ça dans... Et je me suis amusé avec dans l'évier. Bah juste pour voir, pour... tu sais, avant de vous l'offrir, je me suis dit, je vais essayer. Voilà, et tu as tous les boutons, tu as les explications. Droite, alors voilà, c'est ça, droite-gauche en marche avant, droite-gauche en marche arrière avec un autre mode, ou tout droit en arrière, ou tout droit en avant, et tu charges sur une prise USB. Et vous avez les essais sur, je le répète, sur la boutique de Picouscran. Et, du coup, c'est Madame Picouscran qui vous offre ce petit bâtal. Moi, je pense que je le range correctement. Je vais y arriver. Mais c'est génial. Franchement, c'est génial. Et le rouge, il est magnifique. Il pète. Vraiment, il pète. Ah, c'est le petit truc marrant, quoi. Tu t'amuses avec. Alors, je vais t'en mettre correctement parce qu'il est bien coincé normalement. Donc, je crois. Voilà. Le chargeur qui va avec, la doc qui va avec, la boîte et tout en main. Ok? Donc un grand merci Picos, t'es vraiment généreux, c'était vraiment très généreux. C'est super sympa de ta part. Donc, si vous voulez jouer et tenter de gagner, hop là, ce petit bateau. Speed Fran. Fran avec un N à la fin. Ok? Et vous allez gagner ça. C'est sympa. C'est génial. Moi, je trouve que je me suis marré avec. Voilà. Hein, je ne vais pas vous le cacher. Je l'ai testé. J'ai rigolé. Comme un gosse. Alors, t'imagines un gosse? Un vrai, hein? Il va se régaler. Donc, sur ce, les amis, je vous laisse. Et puis, je vous dis à demain. Oh,